Yo les gens, c'est hier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une énième session de pêche. Cette fois-ci, ce sera une session encore une fois spéciale, puisqu'en fait vous allez voir une petite compilation de pêche en Camargue, exclusivement au Sandre, avec comme invité PLPM, Ben de PLPM, pas là pour manger, le crew de pêche en Camargue. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je suis dans les embouteillages à Nîmes. C'est parti. Fichonne. Il a sauvé la douille. Et ben voilà. Je crois que c'est pire que de ne pas en faire. Je crois. Il était comme ça. Non, tais-toi, tu le dis pas. Il a sauvé le truc, décroché. On l'a même pas vu. Oh, mais il y aura un petit fiche archive à mettre. Un remous. Tiens, moi je pêche encore en surface. Ah ! Poisson ! Et je sais pas ce que c'est parce que ma canne, j'ai jamais pêché avec. Ouais. Ça, tous les coups. Ouais, il est pas mal, hein. Tu veux une cuisette ? Ouais, ouais, parce que là c'est bas. C'est chill, mais il est pas mal. Hein. Ah, non. Et voilà ! Impeccable, hein. Ouh, j'ai failli marcher sur ta canne par contre, mais. Je dirais, il est fait, il est bien. J'ai l'impression que c'était un silure, t'es quoi avec ma canne. Elle était pliée. Sur le bord là, non? Non, au milieu là. Au milieu? Au milieu. Tu l'as fait avec quoi? Black Mino. Prendre Black Mino, tout petit hameçon, je galère à sortir. Il serre pas la bouche comme ça. Vas-y, mets-toi là, je te. Il est bien gras, hein? Eh, hey, mets-toi là, tu veux. Hey! Bon, qu'est-ce qu'on dit? Pas là pour manger, hein, non? Ah, il est beau! Ouais, j'ai pas le couleur. Il est bien gras, ouais. Bon poisson. Tu sais que la GoPro, c'est con, il faut se mettre super près, sinon tu vois rien. Il est beau. Je vais le lâcher dans un coin, là. Hein. La release! Allez mon petit, fais la plongette. Voilà. Ah, j'ai sauvé la bredouille, ah, c'est moi. Non mais on n'avait pas touche, là en 2-2 on avait deux tas. Deux poissons. Je suis l'élu. Et moi je vais faire capot. Non, voilà. Ah, ça fait du bien. Je l'ai baptisé, tu sais que hier il m'a fait peur. Hein. Je lui ai fait tester la canne, il a eu un suivi sur, sur une perche là-bas. Je lui ai dit, attends, si c'est lui qui dévierge ma canne, je vais mal le prendre, tu vois. Non mais c'est vrai. Tu imagines, t'achètes une canne toute neuve, tu pêches pendant 3-4 jours avec, tu sors rien, tu la fais tester à un pote, il te sort un poisson avec. T'es blasé quand même. Ouais, s'ils sont là, ils donneront plusieurs. C'est par bain, ça, en général. Le Sandre de Saint-Gilles, là au milieu, là. J'ai fait la diagonale, là. Du coin du mur jusqu'ici. Ouais, ouais. Bon, je vous laisse vous amuser.
Ah, je gratte, ouais. Et juste des petites tirées verticales. Ouais, bah, le cendre, quoi. Enfin, moi, je sais pas, le cendre, je le pêche que comme ça. Hein. Tu grattes et de temps en temps, tu relèves et t'accompagnes dans la descente. T'as comme petit. J'ai simulé une fuite, même. Je fais des films dans ma tête, en fait. Bah, ce qui est bien ici, c'est que tu sais pas sur quoi tu tapes. Hein. Là, t'as des perches, et là, c'est des petits cendres, mais comme ils, au bout, là, ils en ont fait un de 9 kilos. Tu sais pas ce que tu vas sortir. Hein. C'est pas comme s'il y avait que des petits cendres ou quoi. Là, il y en a des gros. Hein. Ouais. Ah ouais. Carrément, ouais. Si tu veux, ouais, tu me fileras. Ouais. Poisson. Eh. On la rentabilise la canne, non? Il est plus petit. Là tu peux le dropper celui-là. Mais prends le fil quand même parce que. Ah mais il libère pas trop non plus. Le petit fiche. Attends, bon, comment il s'appelle là? Le Black Minnow. Black Minnow, c'est bon? Ah non, attends, là c'est bon. Ça marche bien, hein. Tiens-moi la canne s'il te plaît. Il marche bien. Par contre, faut vous arrêter de serrer la bouche comme ça, Alessandre. Attends, pour lui. Ils vont te défoncer. Ah, bloc nous seul pour les projets. Hey, tiens, tiens pour l'instant. Eh petit tout, va dire que c'est ta grand-mère. Joli hein. Ils ont des jolies couleurs. Allez. Mais t'as vu, ils sont revenus comme ils étaient à la base. Ouais. Ce qu'on a fait il y a 3 semaines, ils étaient noirs. Ouais, noirs, c'était bizarre. Bah ils faisaient chaud. Allez petit, rentre à la maison. Après moi je sais que. Poisson ? Hey, hey. Il est beau celui-là aussi. Est-ce que je filme ? Ouais, je filme. T'as, il est noir un peu celui-là, un peu plus noir. Putain, ouais, j'ai à peine posé quoi. Ils sont à la bordure ou... Ils sont partout là, ça y est, le bain il est là. What a fish ! Putain, le what a fish, le black minnow. Bloque le... Je déteste quand ils mettent leur gueule comme ça là. Et il est beau. Génial, je suis content, je suis pas capot. Allez, ah, il manque plus de... que toi Cédric là. La rise. Bon voilà. Ah bah, du coup on va voir une session, on va faire. On t'a pas fait venir pour rien. Putain. Ah, encore ? Et toi, c'est la loose. Un alvin. Oh, ouh, le métier. Ah, là, il y a métier. Là, il y a métier où il est. Ah, il faut qu'on rejoigne la mise à l'eau. Faut qu'on rejoigne la mise à l'eau. C'est énorme. Attends, tiens-moi le fil. Il y a une sardine. Ça ? Ça, je... Ouais, mais je voulais pas prendre. Un alvin. Ça, je le revends 5 euros, viandard. Mes deux petites ouais, tomates c'est... cerises. Monsieur Mignon. Oh, dans l'aquarium, ça. Allez, mon petit. Je l'ai laissé tomber au fond. Hein ? Je suis en train de raconter ma vie, il lui fait un monstre. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. L'épuisette ! Ah oui, oui, oui. C'est au moins 50. Le bâtard. 50 kilos. Regarde-le. Oh, oh putain, mets-toi là-bas. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. C'est pas grave, je l'ai vu, je l'ai fait. Moi, pour moi, il est fait. Ouais, pour toi, il est fait. Pour la vidéo, il est pas fait. C'est pas pour ça, nous qui... Pas là pour manger, moi, mec. Attends. Tu le fais bien ou quoi? Eh oui, mais bon.
Je suis désolé, mais... Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, tu pêches juste là toi? Moi, ouais, c'est que la bourse là. Juste sortie de merde là? Ah, ben, il y en avait deux dans cette sortie de merde. Juste au bord là? Ah, ouais, deux fois. Ah, j'ai pris un rocher moi. Déjà, avec premier lancé, j'accroche. Non, mais arrête! Tiens! Ah ouais? Ah, oh, il a repris! Ouais, mais regarde là, ce putain de château là! C'est un cendre! Il est trop chaud! Mais lui! Eh, le poisson, il prend, il relâche, non, il reprend, tu vois, parce qu'il faut pas qu'il le rate, son poisson! Allez, ouvre ta bouche! Hop! Allez! Ça fait 3 fois! Vas-y, vas-y, tu pêches plus ici, c'est fini toi! Mais chez lui, tout est dans la technique, dans le maniement du poignet. Si tu veux, je peux te donner quelques cours. Tu le fais au fond, là, comme ça, là, en relevant ou... Non, ouais, au fond. Au fond, et juste je décolle un peu et je fais ça, tac, tac, des petites levées, des petites retombées. Et il a pris quand il est retombé. Petit cendrillon. C'est la réserve. Petit cendron. Allez, la réserve. Je l'ai dit, la réserve. Ah, il est plus beau celui-là. Doucement, mon petit, doucement. Il est vif celui-là. Si. Joli cendre encore. Allez, chplouf. C'est un cendre. Petit cendrillon. Bien, bien, ça y est. Ah, tu vas sortir ou quoi? C'est l'habitude. Bon, elle est petite, mais bon. Ils ont une couleur bizarre là, d'habitude ils sont pas si foncés. Ils sont foncés, ouais. Ouais. Mais grandis, mon petit. On va mordre un kikette là-bas, regarde. Une kikette. T'as vu? Ça c'est le street fishing. Ouais, mais t'en avais combien? Je sais pas, mais en tout cas moi j'arrive à les relâcher peut-être la première. Ouais, moi je suis à deux déjà. Un mignac serait fier de moi. Poisson. Mais t'as un poisson, oui? Ouais, je crois que c'est un poisson. Oh, c'est beau ça. Viens là-bas, viens là-bas. Viens. Il tire vers le bas, il met les côtés vers le bas. Viens là, viens là, viens là, va dans le bras. Dans le bras il est mort, il pourra pas partir. Tu vois un peu la taille de la bête? Doucement, hein, doucement. Attends, non, mais tire pas dessus, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je veux... J'ai une canne, non, c'est pas pour ça. Mais alors, je sais pas ce que tu fais, baisse ta canne, oui. C'est un cendre harponné. Alors? C'est un cendre harponné. Un cendre harponné. À la mode de... C'est pour ça qu'il tire. Eh oui. Il est beau, hein? Il est joli celui-là. Prends l'épisode, non? Non, je vais pas l'épisode. Il est gros un peu.
Et je comprends pas la couleur qu'ils ont en ce moment, c'est ça. Ils sont beaux, hein. Ils sont une couleur grise. C'est ça, ben ça c'est pour moi c'est un beau centre pour finir, tu vois. Alors comment j'ai fait ça, je sais pas. Tu vas reprendre. Non, t'as la suivi et. Mais parce que je l'ai senti. C'est froid. Fais-moi le voir. Ça va bien. Ça c'est maïs. Froid. 20, ça fait 20. Ouais, il fait 50. 20, ouais. Il fait 50. Comme celui-là que j'ai fait là-bas. Tu crois, il faisait cette taille? Ouais, à peu près le même. Hein. Il m'a l'air un poil plus gros, non? Bon, en tout cas. Ouais. Hey. Ça fait du bien de faire un beau poisson comme ça. Là, il y a du fond, là? Ouais, ouais, tu peux le lâcher, là. Peut-être en première. Plouf. T'es prêt, Bibi? Accroche-toi. Hop, il est parti. Il est parti, il a pas demandé son reste. Sur ce. Il était beau, celui-là, tu vois. Moi, je suis content, il était beau, même s'il il a pas piqué à la bouche. Je l'ai senti taper, hein. C'est pas genre... je l'ai pas ramené à l'arrache, quoi. C'est juste qu'il a... C'est juste qu'il a raté son... Il a raté son gobage, on va dire. Quoi? On sait jamais. De la chance, oui, non. On a fait que des petits. Oui. C'est cool, en tout cas, ici. C'est beau, hein. Hein? C'est beau comme ça. L'eau, elle est belle, hein. L'eau, elle est bleue, turquoise. Soleil couchant, 19h, fin de journée.